Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, donc, on va jouer à Evil Inside, comme je l'avais promis d'ailleurs. Je vous l'avais promis normalement vendredi, mais manque de bol, le jeudi qu'il devait sortir, il est sorti beaucoup plus tard, en plein après-midi ou je sais plus quoi. Enfin bref, c'est pas grave ça. Donc, pour aujourd'hui, donc mardi, on va découvrir donc que c'est une sorte de Silent Hill-like. Hein. C'est dans le même genre que la démo qui était sortie sur PS3 à l'époque, Silent Hill Pity ou PT, comme vous voulez. Et puis qu'on pouvait même récupérer sur la PS4. Bon, maintenant, je crois qu'on peut plus l'avoir. Donc, alors, Evil Inside. Alors, donc, vous l'avez sur l'eShop donc à 12,99€. Il est sorti donc ce 25 mars là. C'est pour les 16 et plus. Et comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de Silent Hill-like. C'est dans le même genre en fait. Comme de la démo, pareil. Merde, faut que j'enlève le micro. Alors, on va se faire ça. Alors, me demandez pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme jeu vendredi, j'en sais rien du tout. Là, je n'en sais rien. Ah oui, en fait, quand vous commencez le jeu, c'est pas en français, hein, donc vous allez dans paramètres et puis. Donc là, voilà, vous pouvez sélectionner les langues. J'ai juste fait ça, hein. J'ai même pas lancé le jeu, j'ai rien fait, j'ai juste changé et puis modifié un peu le son. Voilà, c'est tout. Alors, le minuteur, il est là. Cette fois-ci, je l'ai. Attendez, je le mets quand même juste à 15 minutes quand même. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Ouais, non, là, je vais pas éteindre. Sinon, vous me verrez plus. That arrives from the north of the state of Oregon. Here we have Mary Jane Anderson, our reporter at the crime scene. Thanks, Joe. They found the body of Rose, the woman who went missing last Monday. Forensics located her camera near a well in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been arrested. Alors logiquement, on est toujours dans la même baraque. Hein. Normalement, sur ce que j'ai pu voir. On verra bien. Sorry, listen. Are you in contact with the afterlife? Yes. Tell me what you need. I need you to make contact with my mom. On n'est pas tout seul. Alors. Non, toujours pas. Je peux pas. Ah, ça y est. On y est. Oula. Oh, ça bouge vite, là. Ah non, zut, je veux pas changer ça. Ah, j'aime pas quand ça bouge vite comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, là, je lance le minuteur parce que... Attendez. Hop, voilà, 15 minutes de gaming. Alors, ça s'ouvre pas, évidemment, non. C'est pas grave. Oh, ça va vite. My mom is dead. My father in prison. And I have to take care of my little brother. Okay. Je peux pas courir. Non, je peux que marcher.
Jackie? Ah bah c'est ça, son petit frère. Quoi, il faut que j'aille le voir. Quoi ça? Non, ça sert à rien. Ok. Ah. Non, ça sert à rien. Ça s'ouvre. Non. Bon. What the hell? Ah, c'est parce que j'ai entendu le bruit d'une porte. Et puis, bah oui, la porte s'est ouverte. Je sais pas si le son est bon. De toute façon, c'était sûr que la porte allait s'ouvrir. Ça un peu, non? Non. Ok, bon. Donc là, nous revoilà dans la maison. Donc, comme je vous dis, c'est un peu comme, vous voyez, la démo à chaque fois. Bon, alors après. Ah ! Oh la putain ! Ah, j'ai horreur de ces trucs-là. C'est ça, son petit frère ? Attends, il est mal fait. Attendez, on dirait une éponge. Bon, graphiquement, là pour le bébé, je sais pas, ça fait bizarre quand même. Bon, je vais pas. Ah bah tiens, la porte, ok. Putain, la trouille de tout à l'heure. Putain, ça me rappelle un jeu sur Wii, j'avais joué au jeu de Colline. Et il s'amusait à faire la même chose, mais avec des yeux de chat, je crois, ou un truc comme ça. Pff. Par contre, c'était plus souvent, alors c'était chiant. C'était chiant comme truc. Bah, je présume que... Bon, allez hop. Bon, par contre, ce qui est embêtant, c'est que, ouais, c'est lent. Hein, on peut faire que de marcher, on peut même pas courir. Attendez, je vais essayer un autre bouton. Non, y a rien. Non, il n'y a rien. Là, il y a que dalle. Voilà, bon. Bon, bah, allez hop, on y retourne là-bas. Super. This breathing. Mom? Bah si c'est ta mère, pas un coucou, un revoir, rien que dalle. Hein. Ah, la bibliothèque clignote. Allons voir. Ah si, attends. Ah bah c'est pas un bout de la plaque en bois là. Ouais si c'est ça. Je pense qu'il va falloir tous les retrouver. Ah, c'est bizarre qu'on peut pas courir comme ça. Alors si c'est fait exprès pour là, je parie qu'il va se refermer. Allez. Ah, qu'on me refasse pas le même truc que tout à l'heure. Hein.
Et l'autre mouflet, il est là. Il est toujours là dans son plumard, lui. Regardez vite fait. Oh, il est toujours là. Bon. Ah. Ah non. Faut une clé. Oh putain, mais merde. Ah. Ah super, enfin, ok, non. Non. C'est chiant ça. On peut pas aller là-haut. Ah, j'allais dire c'est bloqué. Attendez, j'arrive pas à le mettre droit. Ah, voilà. Ah, c'est peut-être pour le cadenas. Bon, on va essayer. Alors, la maison. Ça en mauve. Alors, la maison. Ok. Hop. Deux. Ah, oh, je vais le noter parce que moi, je vais pas m'en souvenir. Attends, putain. Deux. Ensuite, la fleur, c'est vert. Hein. C'est neuf. L'arbre, c'est noir. Ah, bah le... Attends, non, c'est pas possible. Il y en a deux. Là. Bah attends, c'est pas grave. Le soleil, c'est bleu. J'ai un. Attends. Bah non, pourtant, ouais, c'est... Après il y a le jaune. Le jaune il passe pas dans le. Au pire c'est 5. Au pire on essaiera tous les numéros, on verra bien. Déjà je sais même pas si c'est ça. On va voir. Non. Alors le premier on a dit que c'était 2. 2. Après c'est 9. Là on verra après. Là c'est 1. Oh. Et là on a dit. À peu près 5. Ah, c'est ça. Ah bah c'est la clé pour là-bas alors. Ah, c'est pour là alors. Ouais. Ah bah voilà. Je voulais aller à l'étage. Il y a quelque chose, rien, là non. Tiens, on dirait une photo comme pour les puzzles. Ça y ressemble. Ça n'a rien à voir. Hein. Il n'y a personne en bas. Bon, de toute façon, il faut aller par là. La porte elle est ouverte. Là. Hein. Attends, je descends là où il y a le billard. Ah oui, c'est chelou. Ah, il y a encore la plaque. Oh, si ça se trouve, la première fois, j'aurais dû la ramasser. Je l'ai oublié. Il y a un truc là ? Allez, rebelote. Alors, par contre, la seule chose que je trouve dommage, c'est que on peut pas. Oh, j'aime pas ce bruit-là. C'est qu'on peut pas courir. Oh, attention, on va faire psychose. Non, il n'y a personne. Et d'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, mais on se voit même pas dans le miroir. Le fils aussi, il est mort, en fait. Bon, alors. Rien.
faut que c'est ouvert. Il y a bien une raison. On peut pas. Bon. Attends, il n'y a pas autre chose. Hein. On peut pas tirer le. Ah, attends. Non, non, non. Bon, bah non. Le tiroir, non. Rien du tout. Comme tout à l'heure, non. Bon. Ah, oh, purée. Ah, c'est quoi ça? Attends, c'est des yeux. Ah oui, oui, c'est des yeux. Ah, c'est le look. Ah là là. Ah oui, oh là. Alors là, me demandez pas ce qui est marqué, je n'en sais rien du tout. Ah, ça fait chelou ça. Oh, les yeux comme ça qui te regardent. Bon. Non. Oh, mais c'est marqué en anglais. Je sais pas ce qui est marqué en fait. The gap in the wall. Alors, le jeu, vous l'avez en français. Mais les trucs écrits sont marqués en anglais, putain. The gap in the wall. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, bah déjà, il n'y a plus les yeux. Ah, il nous faut la clé. Putain, il m'énerve ce truc. Là où il y a la fenêtre qui bouge. La fenêtre qui bouge. Il y a la lumière. Ah, c'était pas ouvert tout à l'heure. Ah, il y a de l'orage. Ah, là-bas, ça bouge. Là, il n'y a rien. Que dalle. Alors, ça voulait peut-être dire. Alors, je la sens la connerie, mais bon, tant pis. Wow. Ah, bah non, ça va, on n'est pas que dans la baraque en fin de compte. Bon, qu'est-ce qu'ils disent alors sur. Sur le truc là. On s'est peut-être fait exprès pour pas spoiler un peu. Quoi, c'est un champignon? Ouais, c'est un champignon. C'est un petit tas de bois. Oh, tais-toi, toi. Bon. J'entends un bruit. Ah, ça chouine. C'est dommage que c'est trop sombre. J'aurais pas une photo. Ah, ah, j'ai pas sursauté là. Il m'a pas fait sursauter. Ah purée, mais je sens le gros comme une maison. J'ai. Ah bah non, je croyais qu'on allait se pencher dans le puits là, puis clac, ça allait vous sauter à la tronche. Bah non. Bon bah je vais jusqu'au bout, une fois qu'on est... Je vais quand même voir jusqu'au bout s'il y a ma petite planche en bois. Bah comme ça vous avez vu jusque là, et si vous voulez découvrir le reste, bah faudra l'acheter. Ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a pris déjà. Moi je vais juste finir ça. Je sais pas à quel moment ça sauvegarde en fait. Voilà. Je vais aller au bout, allez hop. Bon, par contre c'est vrai, hein.
Le fait que ça soit lent, bon, en fait, c'est pour l'histoire, je dis pas, mais franchement, le personnage qui marche tout doucement comme ça. Ah. Tiens, bah, je vais prendre une photo à cet endroit-là. Une photo là. Là, ça sera pour la miniature. Je le fais aussi en capture. Ça, hop. Bon, enfin. Alors, voilà pour Evil Inside. Donc, là, par contre, si ça vous intéresse et puis que vous voulez découvrir donc la suite, hein, bah, allez sur l'eShop. Là, il est. Alors, je sais que là, en ce moment, j'ai dit qu'il était à 12. J'ai dit à 12,99 je crois, ouais c'est ça, mais actuellement, alors je peux pas le savoir, je sais pas pourquoi je peux pas le savoir, mais actuellement je crois qu'il a 11€ et des poussières, un truc comme ça, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir le montant de la promotion, peut-être parce que comme je l'ai acheté, alors même sur l'internet j'arrive pas à le voir, enfin bref, peu importe, voilà, vous avez un petit Silent Hill like, ah c'est vraiment dans le même genre, hein. Bon peut-être un peu moins gore parce que dans Silent Hill, il y a un moment donné, dans un évier, il y avait un truc dégueu. Ça ne m'avait pas trop plu ce moment-là, mais bon, bref. Enfin, voilà. Bon, je vous dis à vendredi pour un prochain 15 minutes gaming. Par contre, ouais, je ne sais pas du tout ce que ça va être. De toute façon, je mettrai sur Facebook donc le jeu. Enfin, si c'est une boîte, si c'est un numérique, si c'est autre chose, de toute façon, vous le saurez. Enfin voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon jeu et à une prochaine fois. Salut !